Je pense à tous ces millions de personnes. Je pense aussi aux femmes enceintes qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense combien de bébés sont morts là cette année, hein, à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux. Arrêtez, bon sang, d'inverser la situation systématiquement. C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Phuket s'est cramé? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux, la façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an, à cause du chômage et de la précarité. C'est ça, la réalité. Moi, vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Bon sang, arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Il n'y a pas eu de mort. Les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants, ok? Il y a la majorité des gilets jaunes étaient dans la manif climat, pacifique, engagée pacifique. Donc maintenant, on remet les choses dans l'ordre, en place, ok? Il y a une fracture politique qui est réelle. Les gens ne veulent plus de ce système politique. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ce que vous dites, on doit changer le système politique. On doit changer la démocratie. C'est ça le cœur du problème. S'il vous plaît.